barrage de l'odeur à la base pour distribuer des flyers. Mais le responsable de cette entreprise complètement folle a oublié les flyers. Je m'excuse. Donc on est parti pour une... Ouais, carrément publicitaire. Pas de support publicitaire. Donc on est en route pour Charleroi, rencontrer nos récents amis et futurs partenaires du hub créatif Hub Charleroi. Et déposer des flyers, digitaux bien sûr. Économie de nouvelle version de la ferme. Et nous allons nous faire une petite bouffe au Quai 10, qui sera juste en dessous des nouveaux quartiers du hub créatif. Et une fois la digestion opérée, nous nous rendrons chez Composite Créatif, des homologues de Charleroi, qui ont lancé un espace de coworking à leur sauce. Et bien sûr, les partenaires de CRC, Charleroi. Donc voilà, on fait une petite pause dans notre belle région, dont on est très fiers, le barrage de l'odeur. Je suis entrepreneur, conseiller en entreprise, j'accompagne les entreprises à avoir des clients heureux en disant sur une expérience client top. Alors le coworking, ben, oui, je connais depuis l'idée et récemment j'ai pris le départ. Ouais, il faut savoir que Philippe, Laurent, Loïc sont nouvellement coopérateurs de la ferme. Parfait. Voilà. On a plein de menus en fait. T'as vraiment choisi le bon projet alors. Donc on a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les entrepreneurs créatifs et culturels. Un des axes à travers lequel on le fait, c'est la mise en place d'un incubateur spécifique. Ah, ça va? Nico, Nat. Enchanté. Il y a moyen. Putain, il est venu 150 là. Ouais, en force. On a dû prévoir plus de choses. On a un peu l'atelier, vraiment l'endroit où on peut faire le plus de bruit, le plus de poussière. On a déjà eu des personnes qui travaillent le bois,
des soudeurs par exemple, on a eu quelqu'un qui faisait des marionnettes automatisées, quelqu'un qui faisait des lumineurs. C'est vraiment plus le travail de la matière. Les cracks là. Qui font du bruit. Voilà. Voilà des bouts en quart d'heure. Où la personne voudrait s'en aller, qui décide, et donc on rencontre toujours la personne, on voit quel est le projet et on voit si c'est possible, si ça colle ou pas. Pour oui. Les flyers, on les a les flyers, je les dépose là. Le CRC, alors le CRC c'est une structure d'écoute des créateurs qui compile les demandes et qui offre des services pour répondre à ces demandes. Tu es content de cette journée? Parfois, la première chose qu'on a fait, on s'est défoulé. Le seul petit défaut de la journée, c'est que même que Nico ait oublié les flyers. Je sais bien que ça fait 61 fois que je le dis, donc on le dit 39 fois. Je pense bien y arriver à la fin de cette journée. Mais ça, je commence à fatiguer quand même sur cette idée-là. Voilà.